Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour dans Unshrouded et aujourd'hui une petite vidéo qui est destinée à vous montrer donc ma nouvelle bâtisse avec la tour que j'ai construite à côté de cette maison déjà qui était extrêmement grande. Et là j'ai monté carrément une tour. J'adore le housing, j'adore builder et tout. Bon, là pour l'instant je suis en train de me faire les mains parce que j'avais pas encore tout compris dans les techniques de construction, surtout dans les techniques de farm. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller je vais vous montrer une technique de farm. Je sais pas, vous l'avez certainement trouvé, moi comme un con je l'avais pas trouvé, j'ai perdu énormément de temps à farmer de la manière que je farmais alors que j'aurais pu gagner du temps, un temps fou. Voilà. On va aller faire une petite visite de la maison. Vous voyez donc cette petite maison fort sympathique. Voilà. C'est pratique, c'est. Donc on a l'entrée là ici. Bon là j'ai fait quelques petites modifications. Là j'ai mis des petites fleurs que je ne cueillerai pas. Voilà, c'est sympathique. Voilà, j'ai rajouté un trophée là de au-dessus du siège. Donc j'ai fait un trône aussi. Ça c'est pour le confort. Là j'avais pas de porte. J'ai fait une porte pour pouvoir sortir des deux côtés. Hein. Par en haut, bon, là j'avais l'espace culture avec les petites pépinières, machin chose, avec ma culture de fraises et de lin. Ici, là je vous l'avais montré, ça c'est une trappe, voilà. Avec un souterrain que je vais prendre le temps de creuser. On va prendre la lumière parce qu'il va pas faire jour. Bon, là. Je reverrai certainement les trucs. Donc voilà. Et là, donc, cette tour que j'ai construite, qui a une petite envase. Et donc là, j'ai mis un escalier aussi par en haut, que je peux y accéder aussi par l'autre côté. Et là, on peut monter tout en haut de cette tour. On va aller voir, ça va être magnifique. Il m'a fallu du temps pour la monter. J'ai fini 11h15 ce matin, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis couché à midi et demi, j'étais relevé à 3h d'après-midi. Et là, le dernier escalier, on est obligé, j'avais pas d'autre choix que pour arriver en haut, de décaler le truc. Voilà, donc là on a le sommet où on peut voir toute la vallée. Resplendissante comme vue. Hein. On est bien là. Hein. Et je peux pas monter plus haut. Hein. Là, je suis à la limite de la zone de construction. Je voulais monter le plus haut possible. Je suis arrivé au plus haut possible. Donc j'ai fini par un mini toit et voilà. Donc voilà. C'est sympa. C'est sympa, fort sympathique. J'ai refait le build de mon perso, axé un peu plus magie et un petit peu optimisé. Ah, allez, j'ai loupé la sortie quelque part. J'ai loupé une sortie quelque part, la sortie qui mène. C'est tellement long la descente, mais j'ai fait des escaliers de manière à pouvoir enchaîner quand on monte. Ah oui, il y a l'autre. Eh oui, je vous ai pas montré le petit balcon. Ah quel con. Eh oui. J'ai mis un petit parterre de fleurs avec
des bleuets. Oh les. C'est bizarre, les bleuets sont mélangés avec les. Ah non, non, c'est qui donne blanc. Blanc-bleu. Ouais. J'ai mis du lin et de la camomille. J'ai mis du bleu à l'extérieur et du blanc blanc-jaune à l'intérieur, histoire de faire un truc fort sympa. Bon, mais là, pour m'éviter de. On va repartir. Deux jours pour farmer ses préférences, c'est préférable. Bah si c'est la fatigue là, mais j'arrive même plus à parler, c'est préférence, c'est préférable. C'est pas préférence comme on dit. Donc, alors. Voilà. Alors, avoir toujours un peu de pierre. Et surtout un bloc de pierre, quel que soit le bloc de pierre. Il faut que vous ayez au moins 256 blocs. Ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire un truc. On va aller à l'endroit où j'étais en train de farmer. Et un truc que ouais, je comprenais pas, parce que moi, je farmais d'une manière très spéciale. Donc parce que moi après, comme dirait l'autre, je lisais le menu bêtement. Voilà. Donc je me mets là. En admettons, je me mets là. Je veux farmer de la pierre. Hein. Je passais en mode truc. Et moi j'utilisais essentiellement ce cube qui me permettait en faisant supprimer de récupérer. Mais pierre par pierre. Et comme un con, j'avais pas compris que là, on fait des trous. Donc là, je récupère des pierres, on est d'accord. Mais je voyais les gens qui faisaient avec ça. Ils me disaient, mais c'est quoi cette histoire? Là, vous voyez, j'ai mis 36 pierres. Ils me disaient, mais. Et là, si j'appuie par exemple sur supprimer, je ne peux pas. Mais avant, regardez bien ce qui va se passer. On va regarder dans l'inventaire. J'ai 64 pierres, 286 en machin, ça bougera pas puisque je vais les récupérer. Et j'ai 64. Je remets en mode construction. Donc si j'appuie sur supprimer et ça ne fonctionne pas, il faut que je couvre la surface. Donc là, ça va remplir 36 pierres et ça va m'en redonner 36 sur 256, 226. Hop, je fais ça. Et là, j'ai récupéré 256 pierres. On regarde l'inventaire. Ben non, j'ai pas récupéré grand-chose. J'ai pas récupéré grand-chose. Je sais pas ce que c'est cette histoire. On va aller creuser là, je vous montre en gros comment ça fonctionne. Enfin, comment je l'ai compris. Là, vous voyez, là, je vais combler de 18. Je peux pas mieux, hein, parce qu'après c'est 0. Je comble 18. Et je me redécale. Et voilà, 24 pierres. Donc il m'avait donné 24 pierres. Sachant que ce nombre de pierres là, il en faut une et ça fait 10 blocs. C'est bizarre, leur calcul est très spécial. Hein. Il est très spécial leur calcul. Là, voilà, 12. Ça m'intéresse. Parce que je vais avoir. Je comble. Et là, je récupère encore 24. Donc voilà, j'ai perdu mon temps énormément alors que ça aurait été tellement plus simple de faire comme ça. Attends, là j'avais. Le but c'est d'en avoir le moins possible. Là, 50, je comble et je reprends.
Donc là, j'en ai que 21. Mais quand on arrive à tomber sur des petits chiffres, c'est vraiment bien. Voilà, 32. Je comble. Je décale, bien sûr. Et là, 22. Et moi, je m'emmerdais à vraiment. Allez, 58. Il n'y a pas mieux. 142, ça va pas. Des fois, ça se positionne mal. Bon, après, quand je farme, je m'emmerde pas là. Allez, on va se contenter de 68. Et là, ça va m'en donner 19. Quand on regarde l'inventaire, je suis passé à 196. Et c'est 196. Quand on retourne, par exemple, à la maison, on peut les. Moi, je les convertis en truc en bloc de pierre hautement poli. Voilà. Ça, je l'avais pas compris au départ. Donc là, quand je me mets là, ici, je fais bloc de pierre hautement poli. Il va me prendre 30 pierres et il va me donner 100. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et j'ai récupéré. J'en avais 280 tout à l'heure. Et là, maintenant que j'en ai 896. Si je l'avais compris dès le départ, je n'aurais pas perdu autant de temps. Et je comprenais pas pourquoi les mecs. Parce que moi, ça fonctionnait pas, je l'ai supprimé. Mais on peut pas supprimer un bloc qui est plein. Il faut trouver un endroit qui est altéré, une ville qui est altérée, qui a des trous de tous les côtés, hein, petit village ou des trucs. Et on comble le trou avec un certain nombre de pierres et on récupère une quantité de pierres équivalente. Alors quand c'est de la pierre, parce que carrément on peut récupérer des blocs. Des blocs, par exemple, moi j'ai utilisé, je sais plus, j'en ai pas besoin d'autant, par exemple, je vais diviser ma pile. Ouais. Ça m'arrange pas. On va faire partir celui à 222. Celle-là, je le remets là et je redivise. Voilà. Et là, je laisse. Voilà. Quand il me fallait de la pierre hautement polie, voilà. Ça c'est pareil, j'ai les blocs de muraille, j'ai monté ma tour avec les blocs de muraille. J'ai farmé comme un con en récupérant 6-7 blocs de muraille à chaque fois, alors que j'aurais pu en récupérer. Et c'est quand j'ai compris l'astuce, j'ai dit, tiens, ben, je vais faire une petite vidéo histoire de. Au cas où d'autres personnes comme moi, parce que bon, moi je suis un peu bête et discipliné. Au cas où d'autres personnes comme moi se feraient avoir et passeraient trop de temps à trouver l'astuce. Mais à force de regarder les vidéos, je ne comprenais pas. Parce que quand je me mettais par exemple en mode hop, farm, voilà. Si jamais je bougeais ma souris, ouais, je bouge ma souris et ils me disent. Clic droite, c'est supprimer. J'avais beau le faire, ça ne fonctionnait pas. Là, vous voyez, j'ai 206. Voilà, j'ai 206. Si je fais ça, j'ai beau cliquer sur ma souris, ça le fait pas. Que je joue à la manette ou à la souris, je ne peux pas supprimer. Il faut que j'aille à un endroit où il y a des trous. Que je génère un trou et que voilà et après que je prenne carrément les matériaux en complément. C'est une petite astuce, c'est bon à savoir.
Voilà, j'ai refait mon petit build, j'ai ma petite maison fort sympathique et tout. Avec sa grande tour. Oh putain! Oh putain, je viens de remarquer un défaut là. J'ai un défaut sur ce pan que je vais aller corriger. J'en ai pas sur celui-là. Ah, des fois, les défauts, on les voit pas de l'intérieur, on les voit. Oh putain. Donc, c'est du côté de. C'est de ce côté-là. Ok. On va aller le faire tout de suite. Ouais. Ça déborde. Ça déborde. Il y a un truc qui déborde. Et j'ai mis un truc qui me permet de me déplacer hyper vite. Ça, c'est pour m'échapper quand il y a des trucs. Alors là, il faut ce type de bloc de muraille. Voilà. Donc là, on va monter tout de suite. J'évite de le faire parce que des fois je. Voilà, je peux passer par là. Et là, je vais passer à gauche parce que pour reprendre le sens de l'escalier qui monte de l'autre côté. C'était tout en haut, hein, il me semble. À l'avant. Dernier machin. Ça devrait se voir sur le positionnement de la fenêtre. Merde, j'ai loupé. Eh ouais, positionnement de la fenêtre, mais je suis où là? Aïe! C'était pas du bon côté. Putain, c'était pas du bon côté. J'arrive pas bien à voir. C'est à l'avant-dernier étage. Dernier étage, donc ça c'est sous le toit. Avant-dernier étage. Gouré, je peux passer par là, je peux passer par plein d'endroits. Donc avant-dernier étage, ouais, mais là j'y vois pas, je vois pas où c'est que je suis, c'est pénible. Mais à la rigueur, je peux démonter un pan. Ça serait. Putain, mais c'est long. Oh là là, elle est longue cette ascension. C'est dingue ça. Donc là, dernier. Et avant-dernier. Donc là, le blême serait par là. Ici. Et il est bien ici. Parce que. Ouais, mais. Le problème, c'est que je le vois pas, là.
Je le vois pas, l'écart, il devrait y avoir un écart. Ah si, c'est ce coin-là. Il me semble que c'est ce coin-là. Ouais, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Assez facile à repérer. Il n'est pas. Là, il faut que je passe en mode 4 et fenêtre. Ouais, c'était celui-là. Donc, il faut que je supprime. Faut que j'enlève le mode accrochage. Pareil, c'est une petite astuce. En théorie, là maintenant ça devrait être bon. En théorie. En théorie, ça devrait être bon. Ah mais j'ai pas regardé si j'étais. Si j'étais du bon côté. Si c'était du bon côté que j'ai supprimé. J'ai pas l'impression que c'était de ce côté, hein. C'était de l'autre côté, hein. Mais il y avait un problème là. Il y avait quand même un problème ici que je ne voyais pas d'en bas, mais il y avait un problème ici. Et pour moi, dans ce cas de figure, ça serait de ce côté. Attends voir. Je vais vérifier. Oui. Il était. Il est ici le blême. On va refaire tout le pan. On va refaire tout le pan. Le blême, il était ici. Voyez, j'étais pas à la bonne hauteur. Là, normalement. Là, j'ai un doute. J'ai un doute parce que ça débordait. J'ai un doute sur le seul truc. J'ai un doute sur le truc. On ira vérifier. Bizarre, on dirait que c'est pas les mêmes blocs. C'est pas les mêmes blocs. Mais ouais, mais quel con. Et je vais l'avoir fait. Ah putain, je me suis trompé de matériel. Je me suis trompé dans les matériaux. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas la bonne couleur. Là, ça me semble bien. Oh là là, je me suis gouré de matériaux. Ouais, ça fait 43. Là, on décale de manière à mettre à ras. Là, on met là. Et la dernière. Ah, c'est pénible. Ça ne va pas se centrer. Et là, normalement, c'est bon. C'est bon si j'y fous. Ouais, j'ai un côté qui est décalé. J'ai un côté qui est décalé. Ok, là.
enfin, là, vous voyez, vous imaginez le temps que j'ai passé pour construire cette tour. Ça a été un truc. Ça a été long. Surtout qu'en plus, ouais, après, j'avais pas les matériaux. Fallait que je parte farmer. Donc. Où c'est que j'ai fait la couille là, que j'ai touché en bas? Que je regarde la couleur. Où c'est que j'aurais mis du. Mais non, c'était bien. Pas fou, je m'étais gouré, j'avais pas sélectionné les bons matériaux. C'est quoi cette histoire? Combien j'en ai? 264. Je vais y voir que là, là avec cette lampe. Tu sais que j'avais fait le truc là, je sais pas. Dans la boule, je sais pas, c'est la fatigue qui me. Bah c'est là. C'est là que j'ai fait la connerie. Pas bon. Oh putain, c'est pas évident. En plus, bosser de nuit, c'est pas. Là, ça me semble correct. Là, ça me semble correct. Voilà, cette fois-ci, j'ai les bons matériaux. Non, il n'y a pas le, il n'y a pas le bon écart. Putain de merde. Là, ça me semble bon. Bon, là, aucune perte de temps. Il faut que je le vois quand c'est le jour. Donc, je vais changer le temps. Enfin, le truc pour aller voir. Et voilà, le bug est réglé. On n'a plus rien qui dépasse de là-haut. On n'a plus rien qui dépasse. J'aime pas moi, ces petits détails qui font que. Et en plus, oui, ça inculque une méthode de construction. Là, sur le nombre de fenêtres, j'ai 5 fenêtres par pan. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 fois 5, 5 fois 4, 20. 14 fois 5, 5 fois 4, 20. 5 fois 10, 50, 20, 50. 70 fenêtres par pan.
7 fois 4, 28, 280. Il y a 280 fenêtres sur mon truc. Oui, parce que là, on a exactement 5 fenêtres par pan. Elles sont toutes alignées comme il faut. Ouh! Ouh! Un défaut au deuxième étage là. Au deuxième étage. C'est pas l'étage où j'y arrive par le toit. C'est au deuxième étage, direction. Ok. Il y a un défaut de placement. C'est voilà. Et le défaut de placement, il était de ce côté. Donc là, quand je monte là, et le défaut de placement, il est de ce côté, quelque part. Il est là. Il est là, le défaut de placement. Il est là. C'est bizarre. Il me le met en attaché. Ça doit être différent, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est le dernier, c'est celui que je mets au milieu. Et là, ça a l'air d'être bon. Puisque je pars sur les montants, je mets un rat. Ça a l'air d'être bon, il me semble. Il me semble que c'est bon. Allons voir. Mais non. C'est sur la fenêtre du milieu. Oui, il y a un défaut. Il y a un défaut sur le deuxième étage et sur le truc. Bon, enfin, je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Donc, c'est sur le premier étage, celle qui est totalement à gauche, qu'il faut que je décale. Et au deuxième étage, celle qui est totalement à gauche est bonne, c'est l'autre qui n'est pas centré comme il faut. Et ça devrait le faire. Enfin, je vais corriger ce petit détail parce que là, il y a celle qui est au premier étage, il y a celle qui est à gauche et celle qui est à droite qui est mal placée. Les deux sont mal placées, ce qui fait que les deux, celle du milieu est pas placée comme il faut. Et voilà, pour que je sois en adéquation avec les autres. J'ai pas regardé de ce côté. Ouais, mais de ce côté. Pour voir, ça va être déjà un petit peu plus dur. J'ai pas regardé de ce côté. Mais là, ça va être un petit peu. Ça va être un petit peu plus chaud. Si on peut le voir d'ici. Ouais, il y a un décalage déjà aussi au deuxième étage ici. Et c'est bizarre, il y a un endroit où on dirait qu'il y a un trou. Et il n'y a pas de trou normalement dans la. Ça fait une ombre noire. Il n'y a pas de trou. Là, j'ai un défaut au deuxième étage ici. Vous voyez? Deuxième étage, celle qui est totalement à gauche, elle est décalée. De ce côté, ça a l'air d'être bon. Là, c'est déjà un peu plus dur pour voir. C'est déjà un petit peu plus dur.
pour voir. Voilà, faut bien que je parte. Pour rattraper ma connerie, il faut bien que je parte du deuxième étage et que je recentre la première. Et après que je redécale celui de droite vers la droite et celui de gauche vers la gauche. Enfin, bref, c'est que de la mise au point, il y a encore pas mal à faire. Et après, je m'attaquerai, je vais essayer de me trouver un petit village pour... Cette fois-ci, je vais pas construire, je vais faire de la rénovation. Donc ça sera intéressant, ça sera tout aussi intéressant. Sur ce, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider, si vous n'aviez pas, comme moi, compris le mode de destruction, de construction et de destruction, avec cette histoire que moi je pouvais utiliser que le petit cube, et j'utilisais pas le gros, mais j'étais pas parti sur le principe qu'il fallait combler, aller à un endroit où il y avait des trous, combler ces trous pour récupérer la totalité des pièces, des pierres qu'il y a. Mais bon, après c'est simplement une histoire de compréhension, je suis un petit peu long à la détente. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.